pieds. Relâchez bien vos épaules. Étirez vos fesses. Les genoux. Puis, inspirez un peu sur l'autre. Relâchez bien vos épaules. Voilà, bien jouer sur vos chevilles, très souple, épaules relâchées. Allons ouvrir à 45, on passe en kibalchi. Place, talons fesses nouveau. Écartez vos bras, allons vos hanches. Empile. On écarte un petit peu. Sautillement verticaux. Relâche encore une fois. On change. Toujours très souple sur vos chevilles. Changez. Puis maintenant, vous avancez, reculez sur quelques centimètres. Changez, même chose, très souple. Ok, sur place. Allez, chauffez vos poignets. Serrez vos poings. Ok, là, vous dépliez pour un pied droit, le raquette gauche, ici, avec rotation du poignet. Allez, mi, san, chi, go, lok, sit, ach, chu, chu, h, mi, san, chi, go, lok, sit, ach, chu, chu. Allez, vous dépliez, ach. Allez, sur le côté, et on monte. On accélère un petit peu. Allez. On ralentit, on ramène. Et on ouvre. Allez. Mi. San. Chi. Go. Loku. Sichi. Echi. Kyu. Ju. Allez. Mi. San. Chi. Go. Lok. Sichi. Echi. Kyu. Ju. Echi. Mi. San. Chi. Go. Look, sit, at, q, ju, h, mi, san, chi, go, look, sit, at, q, ju, et on prend h, mi, san, h, mi, san, h, mi, san, allez, allez, rotation. Au sens. En alternant. Et en mouvement. H, on dévale. Mi, san, chi, go, lock, sit, at, chu, chu. Allez, main sur manche, on bascule gauche droite, H, mi, sa, chi, go, lock, sit, at, q, chu, rotation, H, mi, san, chi, l'autre sens, H, mi, san, chi, on alterne, H, mi, san,
Chi. Go. Loku. Sichi. Achi. Q. Tu. Allez, les jambes écartées. Allez, H. Mi. San. Chi. Go. Look. Sich. H. Q. Ju. Et là, on fait monter les jambes. Là, le bras sur les côtes. H. Mi. San. Chi. Go. Look. Sich. H. Q. Ju. Allez, on écarte un peu plus. On met ses mains à plat. Et on va toucher les genoux avec ses épaules. H. Mi. San. Chi. Go. Look. Sich. H. Q. Ju. H. Mi. San. Chi. Go. Look. Sich. H. Q. Ju. Ok. Allez, décompacté. Allez, vous ouvrez bien ici. Hein, votre jambe, vous montez et vous ouvrez. H. Mi. San. Chi. Go. Loku. Sichi. Achi. Q. Ju. Alors, démarre de l'arrière. H. Mi. San. Chi. Go. Loku. Sichi. Achi. Q. Ju. Allez, maintenant, sans reposer, arrière, et on revient. Allez, H. Mi. San. Chi. Aimé. Allez, rotation. Au sens. En alternant. Allez, mais jambes écart, main au-dessus de vos genoux. Allez, on fléchit sa jambe gauche, on descend bien. On engage la hanche, mais. On passe sur l'arrière, ça rentre. On force un petit peu sur l'écart de son genou. On change de côté. Et on engage la hanche, ni. On passe sur l'arrière, ça rentre. On écarte toujours bien son genou. Allez, on recommence une fois. H. Mi. San. H. Mi. San. Ok, asseyez-vous. Allez, on croise. H. Mi. Sans les épaules restent au sol. Chi. Go. Loku. Sichi. Achi. Q. Ju. Encore. H. Mi. Sans. Chi. Go. Loku. Sichi. Achi. Q. Ju. Yamé. Mettez vos deux pieds au sol. Les mains, bras ouverts 45 degrés. Allez, montez vos jambes. Et vous faites un grand cercle pour échauffer votre hanche. Vous isolez bien le genou de la jambe fléchie. H. Mi. San. Chi. Go. On change de sens de rotation. H. Mi. San. Chi. Go. On change de jambe. H. Mi. San. Chi. Go. De sens. H. Mi. San. Chi. Go. Aimé. Asseyez-vous. Allez, jambes jointes, tendues. Allez, cherchez vos orteils. Alors, on aplatit le dos. Allez, à chacune des expirations, on essaie de descendre les coudes, les rapprocher un peu plus des genoux. Allez, H. Mi. San. Chi. Allez. Décontracte un petit peu. Allez. Pliez. Allez. H.
ni, san, chi, go, roku, shichi, achi, kyu, chu, encore, h, ni, san, chi, go, roku, shichi, achi, kyu, chu, mais, rendez-vous sur le dos, bras en croix. Allez, le pied droit vient toucher la main gauche et le pied gauche, la main droite. H, ni, san, chi, go, roku, shichi, achi, kyu, chu. Allez, mais, on est sur le casseillez-vous. Allez, vous commencez à écarter un peu vos jambes. Vous les relâchez. Allez, vous les faites bien bouger. Allez, on force un tout petit peu. Basculez l'avant-arrière sur le bassin. Sur les côtés. Alors, on essaie de forcer un petit peu plus. Mais toujours en ayant une bonne mobilité au niveau de ses jambes. De ses rotations de hanches. Voilà, ça ne doit pas être compliqué. Et ça ne doit pas être douloureux. Alors, on force encore un petit peu. Voilà, et puis là, on va aller toucher sa pointe de pied. Allez, H, ni, san, chi, go, roku, shichi, achi, kyu, ju. Ok. Alors là, on va se lever un petit peu. On va essayer de forcer un tout petit peu sur l'écart, et puis toujours en basculant le bassin sur l'avant. Allez, ramenez doucement, décontractez. Allez, vous pliez votre jambe droite intérieure des cuisses comme ceci. Rapprochez bien le genou du sol et puis vous descendez sur votre jambe tendue. Allez, H, on force un peu. Ni, un peu plus loin. San. Et on relâche. On change de côté. Positionnez bien vos pieds. Allez, H. Ni, un peu plus loin. San. Allez, on écarte les jambes. On plie l'autre derrière, voilà. Alors, on se lever un petit peu, forcer sur son écart. Alors, force un peu. Faites jouer votre cheville pour grignoter quelques centimètres d'écart. Voilà. Alors, on pose bien. Et on essaie de descendre sur sa jambe. H, mi, san, chi, go. Allez, mais... On ramène doucement, bougez un peu vos jambes, et puis vous changez de côté. Allez, on déplie bien. Allez, on se lève un petit peu pour accentuer l'écart. Placez bien votre bassin. Allez, on descend sur sa jambe. Allez, H, ni, san, chi. Allez, ramenez doucement. Ramenez vos plantes de pied face-face. Redressez votre dos. Allez, faites jouer un petit peu vos genoux. Ok, allez, attrapez votre talon à droit de par l'intérieur, comme ceci. Fixez bien votre jambe et puis vous dépliez votre jambe. Allez, H. Allez, je force un petit peu. Et vous ramenez. On inverse la position. Allez, mi. Pareil, je force un petit peu. Et vous ramenez. Allez, sans. Ramenez. Chi. Ramenez. Ok, allez, on serre bien les abdos, on se met en équilibre sur les fesses, on descend un peu les genoux, on les écarte et on va essayer de déplier. H,
force bien. Et on ramène. On descend bien les genoux au corps. Toujours en soulevant ses talons. Allez, mais. On retient bien avec ses abdos. On ramène. Et aimez. Posez. De nouveau, rapprochez le talon des fesses. Descendez vos genoux. Forcez un peu. Redressez votre dos. Et aimez. Tendez vos jambes. Décompactez-les. Passez à genoux. Allez, vous écartez votre jambe droite sur le côté. Et vous faites glisser cette jambe sur l'extérieur. Un petit mouvement d'avant en arrière, on force un peu. On ramène doucement, on force du côté. Pareil, on force bien sur l'intérieur de sa cuisse. Doucement, redressez-vous, allez, vous placez votre pied, votre jambe droite sur le côté, voilà, vous prenez un appui sur le talon, vous faites glisser, pas trop loin, et vous commencez à mettre les mains dans le dos, et puis vous descendez sur votre jambe doucement, allez, donc on peut bien sentir l'étirement derrière sa cuisse, le dos est droit, l'idée c'est comme si on voulait toucher le gros orteil avec le menton, donc on essaie d'être le plus droit possible au niveau de son dos. Allez, on ramène doucement, on change de côté, allez, avancez bien votre jambe, voilà. Redressez votre dos, sortez la poitrine, et on descend, allez, alors force, 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 on descend bien, allez, ramenez, écartez vos genoux, là, ici, faites des petites bascules avant-arrière. Voilà. Basculez bien. Forcez, faites glisser vos genoux progressivement sur l'extérieur. Allez, progressivement, vous descendez la poitrine au sol. Voilà. Et reculez bien les fesses. Voilà, et faites tendre vos bras. On va aller sur l'avant pour ramener ses genoux l'un vers l'autre. Asseyez-vous. Écartez. Là, cette fois-ci, vous allez forcer un petit peu plus. Voilà. Toujours pareil, le mouvement de bascule pour bien les relâcher. Allez, encore, on soulève d'un côté, une main de chaque côté, voilà, et on fait glisser ses talons sur l'extérieur. Voilà, vous mettez vos mains derrière pour aider un petit peu le placement du bassin. Allez, vous continuez. Doucement, jambes. Voilà, vous vous rangez un peu. Et comme tout à l'heure, vous pliez et vous descendez de gauche à droite. Allez, vous roulez sur le côté pour vous relever. Les bandes, allez, redesserrez, serrez vos poids plusieurs fois. On va se mettre en arrière un petit peu un renforcement musculaire. Donc là, vous allez vous positionner sur vos deux premiers kentos. Allez, parti. On est bien sur ces deux premiers kentos. Voilà, on n'a pas les fesses trop hautes ni trop basses pour que le dos ne soit pas creux. Allez, on va fixer un petit peu. On va rester comme ceci une dizaine de secondes.
Ok, maintenant on va plier. Pareil, on bloque bien avec les dorsaux. On va rester encore une dizaine de secondes. On revient et on étire. C'est bon? Allez, en place, on se remet sur ces deux premiers tétos. Si vous êtes à l'aise, genoux décollés. Sinon, vous gardez les genoux au sol. Hein, on conserve bien les coudes serrés. Et on fait une série de 10. Allez, pitch. Mi. San. Chi. Go. Roku. Si. Chi. Achi. Kyu. Ju. Allez, on tire bien. Vous relâchez bien. Donc là, vous refaites deux séries de 10 points serrés comme on vient de faire à l'instant. Maintenant, comme vous aurez fait ces deux séries, vous allez poursuivre avec la série suivante. Remettez-vous sur vos mains, bien sur le talon des mains, pointe de doigt sur l'extérieur. Prise un petit peu écartée. Voilà, on se met en appui, on fixe bien. On se concentre sur ses dorsaux. Pareil, on va rester une dizaine de secondes. On serre les abdos. Puis là, on va descendre. Hein, prise écartée encore. Hein, voilà, la poitrine touche pratiquement le sol. Et on va remonter. Puis on va étirer. On décontracte bien. Donc là, comme tout à l'heure, on fait une série de 10 ensemble, à la place. Toujours pareil, écarté, chaque fois la poitrine vient toucher le sol avant de remonter. Les pieds sont près l'un de l'autre. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à écarter un peu vos pieds ou à poser vos genoux au sol. Prêt, allez, pitch, mi, san, chi, go, loku, si, chi, achi, kyu, ju. Aimer, pareil, on étire. Donc, vous referez encore deux séries de 10, comme tout à l'heure pour les points serrés. Et ensuite, vous poursuivrez avec la série suivante. Main gauche, main droite posée dessus, donc prise serrée, cette fois-ci très serrée. On va garder les genoux au sol. Et puis là, vous descendez de manière à toucher les mains avec la poitrine. Allez-y, on a touché, et puis on va remonter. Ok, donc on va garder les genoux au sol, mais assez éloignés. Voilà. Et là, encore une fois, nous allons faire une série de 10. Allez, pitch, mi, san, chi, go, loku, si, chi, achi, kyu, chu. Et on étire. Allez, relâchez bien. Et là encore, on va vous faire deux séries de 10. Voilà. Quand vous aurez fait ces deux séries de 10 supplémentaires, l'exercice suivant. Là, un peu de renfort sur les membres inférieurs. Là, ici, vous ouvrez vos pointes de pied, un petit psychodachi. Vous fléchissez vos jambes. Voilà. Alors, on tend les bras. Les mains au-dessus de la tête, on écarte les genoux. Allez, on va rester un petit peu comme ceci. Et voilà, les pieds bien positionnés. On relâche. Là, vous ramenez vos bras, vous mettez au niveau de vos épaules comme ceci. Les jambes se sont tendues. On va fléchir en tendant les bras en même temps. Etch. On revient. Mi, san, chi, go, loku, si, chi, achi, kyu, ju. On revient, on décontracte.
faire le même exercice, mais de manière plus dynamique. Mettez vos mains comme ceci. Donc là, vous dépliez et vous ramenez de manière aussi dynamique. Ok, allez, pitch. Mi. Sa. Chi. Go. Lock. Sit. Act. Tu. Tu. Ok, on est bon. Alors, vous faites deux séries pour continuer à travailler sur vos membres inférieurs. Pensez à bien écarter vos genoux de manière à ce que ça puisse solliciter vos adducteurs. Allez, allez. Point gauche devant. Là, doucement une série de Shokuzuki. H. Mi. Sa. Chi. Go. Lock. Sit. H. Q. Tu. Ok, on est bon. Aïe, aïe. Là, vous allez le faire à tâter chuteau sur votre gauche en plaçant votre pied, pivoter bien au-dessus. Aïe. On fait le demi-tour. Mais. Face. Sans. Arrière. Tu. Yo. Et on repart côté droit. H. Mi. Sans. Chi. Yo. Prêt. On le refait encore une fois. Insistez bien sur le placement du pied et le travail de la hanche. Là, ici, hein, j'ai placé mon pied. J'utilise bien la hanche ici et la poussée de ma jambe pour frapper. Ok. Yo. H. Mi. San. Chi. Yo. À droite. H. Mi. San. Chi. Yo. Ok, quand c'est contract. Vous refaites l'exercice une fois ou deux si vous le souhaitez. Et on part, on poursuit avec un autre exercice pour renforcer un petit peu nos membres inférieurs et travailler aussi sur notre équilibre. Yok. Donc là ici, le même déplacement qu'on vient de faire à l'instant, sauf qu'à chaque fois, vous faites bien la fente avant. Vous faites bien un genou à ras le sol en retrait de la hanche. Ok. Ensuite, le demi-tour. Pareil. Le ce côté et derrière. Et yoy, on va repartir à droite. Ok, allez, j'en fais une série avec vous. Prêt. Allez, eight, me, sound, two, yoy, eight, me, sound, two, yoy. Ok. Pour la série suivante, on va rester encore un peu sur, sur cet exercice, mais en l'agrémentant d'un magali. Ok, pour travailler un peu plus son équilibre et le retour du pied. Enfin, bref, tout ce qu'il faut faire habituellement sur son magali, hein, c'est-à-dire le frapper bien avec les orteils relevés, bien ramener le pied flex avant de reposer ensuite au sol. Allez, hop. Donc là, je vous présente l'exercice une première fois. Donc là, comme à l'instant, je frappe ici. Mais à chaque fois que je vais faire un demi-tour, Maïri et Tsugi. Ok ? Là, ici, je vais directement. Là, ensuite, je refais Maïri et Tsugi pour mon demi-tour. Et je reviens. Et même chose de l'autre côté. Ok ? Allez, on y va ensemble. Je fais une première série avec vous. Ouais. Allez, sur la gauche. H. Mi. Centre. Chi. Yo. On démarre sur la droite. H. Mi. San. Chi. Yo. Ok, prêt à
pareil, pour en fait 2 ou 3 séries. Allez, allez. Passez en chukutsuki. Déplacez votre jambe gauche. Oui. Chukutsuki gauche. Déplacez jambe gauche. Et frappez. Voilà. À partir de là, vous déplacez. On est sur le chi, un pied bien joint sans s'être relevé. Et vous frappez au kibadashi de l'autre côté. Ok? Allez, on y va. À chaque fois, on fait pareil. On se déplace et on frappe. Au moment où le pied arrive au sol. H. Mi. San. Chi. Go. Lock. Sitch. H. Q. Chu. Aimé. On souffle bien. Allez, en position. On va repartir directement maintenant dans cet exercice de l'ukibalechi. Le point gauche devant. Là, vous allez placer, hein, sur un pas chassé comme ceci. Là, vous allez placer votre main gauche comme la tâtée à 45 degrés, mais en kibalechi comme ceci. Et pivoter sur les koshis pour frapper. D'accord? Là, ici, je place 45 degrés, kibalechi, et pivot sur les koshis. H, Ni, San. 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 Ok, on décompte. Donc ça, vous allez pouvoir me refaire hein, une ou deux séries, histoire d'être à l'aise hein, sur le déplacement et le fait de pivoter sur la partie avant du pied, hein, sur les koshis. Essayez des positions régulières, même toujours les mêmes kibadachi, toujours les mêmes zenkutsu, le même écart. Ok, allez. Exercice suivant, là on va reprendre hein, ce qu'on a bossé hein, soit en présentiel, lors des cours en extérieur, ou lors de cours effectués en zoom, le travail des hanches sur dos blocage avec des positions de base. Aïe, enfin, blocage et athémi, bien sûr. Donc, premier exercice, vous reculez votre jambe droite et vous faites un guillemot de barrage en kibadachi. Voilà, on déplace en zenkutsu. Là, ici, je fais soto uki en kukutsu, gyakutsuki en zenkutsu. Et là, sans déplacement, ayuke, jakutsuki. Ok? Ça, on l'a déjà bossé plusieurs fois. Oui. Même chose de l'autre côté. Gidenbara kibadachi, aich, mi, san, soto, chi, go, lok, yo. Ok? Un peu de profil. Un temps, vous faites vos deux mouvements sans précipitation. Allez, H, Mi, San, Yo. H, Mi, San, Yo. Pareil, vous pouvez refaire cet exercice-là plusieurs fois de manière à être à l'aise. Chaque fois, respectez bien, scrupuleusement, vos positions et votre travail d'hanche. Petite précision, lorsque vous faites, par exemple, là, je me mets le profil, là ici, Gidenbara en kibadachi, vous voyez où est mon pied avant, et bien quand je vais faire mon yaku, je ne dois pas reculer ce pied. Il est là, je ne fais que, voilà, je reste sur la même ligne, en retrait, comme ceci, et j'ai juste à pivoter sur les koshis pour faire mon tsugi. Voilà. Là, après, ce pied, eh bien, il va se déplacer latéralement pour faire le sotouke, et je le remets pratiquement là où il était pour effectuer mon yaku. En fait, là, c'est juste un travail sur vos hanches
pour réaliser. Ok, donc si vous faites bien attention à ça, il y a de quoi s'occuper. C'est bon? Alors maintenant, on va faire l'exercice. Dans sa globalité. Enfin non, on va faire l'exercice, la suite de cet exercice. Donc remettez-vous sur le yaku après le ayuke. Voilà, à 90 degrés, vous me faites uchiuke en kukutsu. Vous déplacez bien votre jambe, yakutsuki. Là, ici, mageri, suki. D'accord? Là, en pivotant sur mes koshi, un premier tsuki, un second tsuki. Voilà. Ok? Alors, fais le même. Vous êtes donc en yaku. Allez, H. Ni. San. Chi. Go. Voilà, vous le refaites deux ou trois fois de ce côté, et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, on démarre donc avec le bras gauche devant, et sur ma gauche, Eich, Ni, San, Chi, Go, Lock. Ok, on recommence encore une fois. Avec le tsuki gauche. Allez, Eich, Ni, San, Chi, Go, Lock. Allez, on va se concentrer. Et maintenant, bah, on va additionner les deux exercices. Allez, on additionne les deux séries. Yoy. Allez, première série donc. Allez, H. Mi. San. H. Mi. Et là, ici, on repart sur l'autre côté, donc je ramène bien ma jambe. Allez, H, Mi, San, H, Mi, San, Yo. Donc je donne un temps, sans précipitation, on fait la série complète sur le côté droit et ensuite sur le côté gauche au deuxième plan. Allez, H! Alors ça, vous faites ça au moins une dizaine de fois en alternant hein, l'intensité que vous pouvez mettre dans l'enchaînement de vos techniques. Bon, maintenant pour les exercices suivants, on va avoir besoin d'une chaise. Donc prenez une chaise. Voilà. Vous placez face à vous. On va utiliser la chaise pour commencer à bosser un petit peu ses jambes. Donc là, vous allez la maintenir correctement comme ceci. Montez votre genou droit, la pointe du pied ici vers le sol. Hein, et puis vous engagez votre hanche. Et puis vous revenez. Voilà. Hein, faites ça 3-4 fois. Ni. Revenez. Sans. Revenez. Chi. Revenez. Et puis vous changez de côté. Pareil, prenez bien votre genou, pointe de pied vers le sol. Allez, on ouvre bien. H. Revenez. Mi. Revenez. Sans. Revenez. À quatrième. Chi. Et allez. Ok, changez de côté.
Allez, prenez votre pied à pleine main, voilà, sur le coup de pied. Montez maintenant en conservant les hanches engagées, hein, la hanche, enfin, le genou pardon, à la hauteur de votre hanche. Hein, donc sans chercher à aller plus haut pour l'instant, vous allez déplier et ramener hein, le pied dans votre main. Ech. Mi. San. Chi. Go. Loku. Sichi. Achi. Kyu. Ju. Ene. Décontracte un petit peu, bougez un peu vos hanches. Et puis on change de côté. Et on reprend le même exercice. Allez, pour un pareil, prenez bien le coup de pied, descendez le genou, mettez-le à la hauteur de votre hanche, pas plus haut, jambe d'appui légèrement fléchie. Allez, H, Mi, San, Chi, Go, Longu, Sichi, Achi, Q, Ju. Allez, bougez. Voilà, vous pouvez donc faire une deuxième série en conservant le genou à la hauteur des hanches comme on vient de faire à l'instant. Ou si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à monter un peu votre genou. Hein, mais toujours avec l'idée de récupérer, hein, de retourner votre main aussi avec votre main. Voilà. Exercice suivant. Placez la chaise face à vous. Vos bras. Ah, vous voyez, une garde un peu comme ceci. Voilà, vous êtes près de la chaise, hein, près de la chaise, voilà. Et puis vous allez passer au-dessus du dossier, hein, avec le genou, le talon plein de la fesse. Donc vous tournez, hein, regardez mon pied d'appui, hein, vous tournez un petit peu votre pied d'appui en montant votre genou. Ok ? Donc on alternera le côté droit et le côté gauche. Ouais, allez, H, on revient, mais, sans, chi. Go, look, sit, H, Q, Ju. Ok, on se décontracte. On refait la même chose, mais vous déployez votre Maoshigiri. Ok. Donc là, par contre, cherchez pas à engager les hanches autant que d'habitude. Hein, les hanches sont un peu moins raccourcies. Hein, l'idée étant un peu plus court Maoshigiri que haut Maoshigiri. Allez, en position. Allez, H. Mi. San. Chi. Go. Lok. Sichi. Achi. Q. Ju. Allez. Pareil, n'hésitez pas à en faire une série. Exercice suivant. Donc là, vous allez pareil, hein, démarrer assez près de la chaise, reculer votre jambe droite, et puis vous allez engager comme ceci pour faire le tour de la chaise avec Ura Maoshigiri. Ok ? Donc le pied d'appui tourne bien, on allonge le mouvement, là ici, et je vais vous demander de poser devant. Sur l'extérieur de la chaise. Voilà. Et vous ramenez. On y va, c'est avec 5. Aïch. Mi. San. Chi. Go. Aïe. Ok. On change de côté. Allez, vous êtes prêts? Bonne position, pas trop loin de la chaise. Allez, H. Pardon, excusez-moi, pose devant. Mi. San. Chi. Hey. Yamé. Soufflez. Là, ici. Excusez-moi. Je vais mettre la chaise comme ceci, là, et puis on va faire Maïri et ramener. Ok ? Frappez côté dossier,
Parce qu'on sent bien que ça ne part pas de travers, mais bien droit. Les pieds ramenés et posés. On y va. Yamen. 5, 5. 8. 1000. 100. 10. Go. On change de jambe. On retourne la chaise. Et on fait la même chose. 8. 1000. 100. Chi. Go. Allez, mais pareil, n'hésitez pas à refaire une saisie, une série du Uramaoshi et une série des maniaques. Exercice suivant, le Yokogiri Kekomi. Donc là, pareil, on va essayer d'utiliser la chaise correctement. Utilisez le dossier du côté de la jambe de frappe. Comme ça, si on revient de manière circulaire, c'est-à-dire un peu comme un retour de Maoshi, on accrochera le dossier de la chaise. Donc ça va nous permettre de nous plonger. Donc, vous allez partir d'un Fudobachi. Le but n'étant pas de faire un Yokogiri haut, ce n'est pas l'intérêt. C'est l'intérêt surtout du placement des hanches et du pied d'appui. Donc vous allez bien tourner vos hanches lorsque vous frappez. Posez pour retrouver un Kibadachi. Et après, vous prenez la position initiale. Donc je suis ici, Yoko, je ramène, et je reprends la position. On y va, série de 5, 8, on relève, 1000, on relève, 100, on relève, 10, on revient, go, aïe, aïe, mais on se décontracte. Prêt ? Alors on change de jambe, bien sûr. Puis on va faire pareil. Allez, jambes droite devant. Pareil, c'est 5. 8. Qui bat, voilà. Et on revient. 1000. 100. 10. Go. Allez, mais. On récupère. Alors maintenant, on va refaire notre pour la dernière série. On va refaire notre Yokogiri. Et puis on va rajouter un petit mouvement. Ici, on va faire notre Yoko, poser Kibadachi, se retourner et Ishiro-Yari. Et reviens. Ok, donc là encore une fois, le dossier du côté du Shiroyeri, parce que ça va nous empêcher de faire un mouvement circulaire, ce qu'on a souvent tendance à faire, et on a souvent tendance à partir comme ça. Donc, je mets l'autre sens, voilà, souvent, vous êtes là et on va partir un peu circulaire. Ce qui fait qu'à chaque fois, vous accrocherez la chaise. Donc là, vous obligez, là, Yokogiri, je pose, je me retourne, Ushiro, et je reviens. Ok ? Ah ben on essaie tranquillement faire une série de 5. Allez, on remet. Allez, H. Posez pas trop près, mais. H. Mais. H. Mi. Encore un. H. Mi. Et le dernier. H. Mi. Ok. On change de côté. Allez, bon gamin. Allez, H. Mi. H. Placez bien. Mi. H. Mi. H. Mi. Allez, mais. Bien fait souffler. Donc, ça, vous pouvez vous amuser à faire plusieurs séries. Comme vous avez pu constater, c'est pas si facile. Allez, on peut ranger le matériel.
Allez, on va maintenant poursuivre avec un kion commuté, ou un kion tout commuté, hein, c'est comme vous voulez. Donc là, le but à chaque fois, c'est d'essayer de travailler en visualisant bien, hein, le partenaire. Ça, c'est vraiment important. Si vous n'avez pas cette notion de bien visualiser le partenaire, c'est vrai dans le kion commuté, c'est vrai dans le kata, c'est vrai dans plein de choses. Ça vous permet de, bah, si on fait bien attention à ça, une bonne vision de l'adversaire, eh bien, nous permet d'avoir des techniques cohérentes. Sinon, c'est un peu compliqué. Sinon, ça part un peu dans tous les sens et on perd assez rapidement le fil de l'exercice. Donc voilà. Yoi. Ainarigame. Avec bonne garde. Déjà, soignez votre garde. Vous avez une bonne position. On va commencer par des choses vraiment très très simples. Par contre, vous êtes vigilant à ne pas faire d'appel avec le poing, d'appel avec le pied. Enfin, on fait toutes ces petites choses-là. Donc là, vous allez simplement faire kizami et yakuzu. Voilà, jodan, shuda. Et à chaque fois, amusez-vous à travailler. Hein, dans différents axes, mais toujours en visualisant l'adversaire. On est prêt? Etch, mi, san. Alors, je regarde. Etch, mi, san. On change de garde. Encore. Etch, mi. On change. Etch, on change. Mi, on change. San. Allez, allez, on souffle bien. Bon, allez, allez. Kizami. Et arrière. Voilà. Là, vous faites toujours pareil. Kizami, Jodan, Yaku, Shudan. Et vous remisez Jodan en Kizami. Ok? Donc, 1 en haut, Shudan, Jodan. Chaque fois, vous grignotez du terrain. Là, c'est une distance. Le gyaku un tout petit peu plus loin et le kizami encore plus loin. Voilà. Chaque fois, droit, gauche. On est prêt, on va doucement. Allez, H. Mi. San. Chi. Go. Lock. Fitch. Ok, allez, mais. On souffle bien. Allez, même chose, sauf que vous remplacez la dernière action qu'on vient de faire, le Kizami Umaitetsuki, vous le remplacez par Kizami Maoshigiri. Donc, un Maoshigiri de la jambe avant. En fonction de vos présences, vous adaptez la hauteur de votre pied. Aïe, Yarigame. On va doucement. Donc là, Jodan, Shudan, et là, je tourne. Jodan. Et je me replace. Allez, H, Mi, San. Et je me replace. Allez, un seul temps, nos trois actions. Allez, H, Mi, San, Chi. Go. Et encore un bloc. Allez, soufflez bien. C'est bon. Alors maintenant, on va faire pareil. Kizamitsuki, Yakutsuki. Et du même bras, Jodan Uraken, celui de Yaku. Il a rigamé. Donc là, H, Jodan. Mi. Shudan. Là, j'avance d'un pas Jodan Uraken et Shudan Yakutsuki Gamay. Ok, je me replace pas. Allez, H, Mi. Là, ici, j'avance d'un pas San, Chi et Gamay. Allez, on est prêt, on va doucement. Un temps, vous faites les quatre techniques. Allez, H. Mi, San, Chi, Go, Lock, Sit, Yes, mais soufflez. Or pareil, rien ne vous empêche de vous déplacer, de sautiller,
et travaillez cet exercice avec un chrono. Faites une séquence de 30 secondes. Une minute, c'est un peu long pour ça, mais 30 secondes, c'est bien. 30 secondes sur chaque entraînement. Mais vous n'arrêtez pas. Alors, même exercice, on va remplacer, enfin, on va pas remplacer, on va rajouter sur, enfin, juste avant de faire du raquel, un yokudiri kikomi, un chudai yokudiri kikomi. Aïdagame, donc en partant, H, là ici, mi, je poursuis sans, ou raquel, bien comme souligné. Ok, et on reprend. H, mi, sans, ji, go, aïsa. Voilà. On va doucement, je donne un seul temps. Allez, H. Mi. San. Chi. Eh bien, on va pareil, essayer de me faire cette série une bonne dizaine de fois. Pour bien, chaque fois, corriger, chaque fois que vous avez un peu de terrain sur chacune de vos techniques. Ok, même type d'enchaînement, sauf que vous remplacez le yoko par maoshideri, chudan ou jodan. Plutôt de chudan si on veut enchaîner le raquel de jodan, ce serait mieux. Et puis vous enchaînez aussi, vous pouvez remplacer ce maoshi par uramaoshideri. Ok, allez, on y va. On le fait deux fois le maoshi, deux fois le uramaoshi. Hidarigame. On va doucement. Allez, H. Mi. Allez, encore celui-là. San. Chi. Allez, on remplace le maoshideri par le uramaoshideri. H. Mi. San. Aïe. Chi. Aïe. Aïe. Donc là encore, vous pouvez faire plusieurs séries. Allez, là c'est suivant. Yoi. Hidarigame. Donc là, vous allez faire un maïkari. Bon, kikomi, posez devant. Ensuite, vous ramenez le point de départ. Et vous imaginez cette attaque. Donc le maïkari, vous le bloquez 45 degrés. Et alors vous prenez les jambes. Vous remisez diakotsuki. Ok. Donc on va doucement, ensemble. Maïkari, H. Voilà. J'ai bien posé devant. Je reviens. Allez, maintenant le blocage correspondant. Mi. Aïe. Allez, encore. H. Je reviens. Mi. Aïe. Allez, encore. H. Je reviens. Mi. Aïe. Encore. H. Je reviens. Mi. Aïe. Eh mais pareil, on va essayer de travailler là-dessus. Donc maintenant que vous avez compris la logique de l'exercice, on fera deux maïdari et ensuite deux défenses. Suite au maïdari, on fera jodan et raquel. Il a rien. Ok, donc là, maïdari, et vous posez en raquel. Voilà, et vous réaxez, et on fait maïdari de l'autre côté, maïdari ou raquel. Et on recommence. Alors on commence encore une fois les attaques. Allez, H. On se replace. Mi.
imagine la défense. Le Maguiri, le Huracan. Donc là, je recule, je bloque son Maguiri, je le dégage bien sur le côté. Et je bloque son Huracan au moment où je frappe. En même temps. Ok ? Donc vous êtes là, vous faites un, en même temps. On y va ? Allez. Et bloc, en même temps. Encore une fois. Mais ça. Allez, on change de côté. Eight. Mi. Asa. Encore. Eight. Mi. Asa. Allez, maintenant, un seul temps. Eight. Aïe. Mi. Pum. Allons. Yo. Allez, vas-y. Ok. Allez, yo. On reste dans le même esprit, il arrive, hein, vous êtes bien sur vos jambes, là vous allez à me faire un yaku, hein, et quand vous allez ramener le bras, vous allez ramener votre jambe pour ici faire ma Ushinoba, d'accord, hein, donc ici, yaku, je le ramène, bah, et le Maushi. Encore, donc c'est H, Ni. Bon, c'est bon, on y va, et après on fait la défense correspondante. Ouais, on en fait d'abord un de chaque côté pour voir ce que ça donne. Allez, H, Mi. On chante. H, Mi. On chante. H, Mi. On chante. Allez, H, Mi. Ok. On se fait bien. Ouais. Come in. Allez, H. Mi. San. Chi. Voilà, donc ça c'est pareil. N'hésitez pas à faire une série hein, jusqu'à temps que vous soyez de plus en plus à l'aise hein, sur l'exercice. Alors, on va revoir un exercice hein, qu'on a déjà travaillé hein, plusieurs fois. Le, hein, pour bosser notre Ushirogiri. Il arriverait, vous gardez le bras. Là, vous allez faire directement ici, Maguiri jambe avant. D'accord ? Ce qui correspond donc à l'attaque. Ok ? Donc, imaginez subir cette attaque. Vous vous bloquez en A1. Hein, et sur l'intérieur, Ushirogiri. Voilà. Ok ? Donc on va recommencer des deux côtés, hein, donc là cette fois-ci c'est la jambe droite. Et voilà, j'imagine ce Maguiri, j'absorbe et Ushirogiri. Voilà. Et je pars de l'autre côté. On est prêt ? On va doucement. Et voilà. On se replace. Mais voilà. On se replace. Sans. Place, chi. Sur place, allez, go. Comme ça. Eh bien, yes, mais. Donc voilà encore un enchaînement de tioncomité que vous pouvez bosser. Donc pareil, hein, arrangez-vous de le faire plusieurs fois. Ah, juste une précision pour cet exercice. Hein, par rapport au tempo, quand vous êtes ici, là, bon, j'ai pas de soucis sur pour le Maguiri. Par contre, là, évitez de mettre du kimé dessus, ça sert à rien. Mettez du kimé, le temps que vous allez perdre à faire ça, il vous met un tsuki derrière la tête.
Donc l'idée étant plutôt de dévier son action pour retarder sa pose au sol, de manière à le planter en chiro avant ou en même temps qu'il pose le pied au sol. Voilà. Donc il y a cette notion qui est importante. Là ici, on m'a guéri, mais dès que je bloque, ça doit être enroulé, hein, et non pas trop sec. Trop sec, ça va marquer un temps d'arrêt, bah, qui sera un contre-temps, et qui permettra à l'attaquant d'enchaîner tout de suite une technique de point. Alors que si vous enroulez l'action, il y a plus de chances d'être dans le bon timing. Donc pensez à ne perdre pas cette vue. Alors, on va revoir encore une séquence qu'on a déjà travaillée avec Pion Comité. Donc là, c'est simple. On va aller. Donc là, vous allez faire un petit déplacement latéral pour faire croire à un serveur par rapport à l'adversaire. Là, je me place, ma aussi, je coupe d'âne et il y a coup de jouet. Ok, je suis là, je fais 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors c'est pareil, je ne perds pas trop de temps entre ça et ça déjà, mais aussi ça, c'est trop lent. Hein. Il faut vraiment qu'à chaque fois, c'est 1, 2, 3, 4. C'est presque en même temps que vous posez le pied. Ok? On en fait quelques-uns ensemble. Calme. Avec la main. Allez, H. On change. Allez, Ni. On change. Sang. Chi. Ok, vous continuez. Alors, on fait une bonne dizaine. Ok, une dernière série, on pose devant, on reste dans le même principe. Tout à l'heure c'était la jambe avant, et bien là c'est la jambe arrière. Vous le faites aller de ce côté pour ensuite faire un déplacement latéral et maoshi, jambe arrière toujours au niveau du ventre. Ok, allez, H. Et on change. Allez, San. Chi. Ok, on fait le même travail. Jambe arrière, je me déplace ici, je tire le genou vers l'épaule. Yokogiri, Uraken, Gyaku. Ok, donc jambe arrière, ici, épaule, frappe, Uraken, Gyaku. Allez, on reprend. Vous êtes prêts? H. Ok, allez, Ni. Ok, voilà encore un enchaînement que vous avez travaillé dans les derniers cours, ou dans les derniers cours, que vous pouvez refaire maintenant. Alors, tous ces exercices pour en venir à la chose suivante, c'est-à-dire qu'en utilisant ce principe de Kyokumite, vous allez, chacun pour soi, chercher à travailler toujours en visualisant un adversaire imaginaire, parce qu'en ce moment, on n'a pas le choix, pour faire différentes techniques qui soient cohérentes, un petit peu comme tous les enchaînements que je vous ai proposés dans le Kion Kumite, hein, et puis construire votre Kumite comme ça pendant une séquence de 30 secondes. Voilà. Hein, vous essayez de ne pas refaire la même chose trop souvent, vous variez, vous vous déplacez, et vous faites l'exercice sur une séquence de 30 secondes. Si vous êtes à l'aise, hein, pourquoi pas envisager, hein, une séquence d'une minute. Mais voilà, déjà si vous arrivez à être bien cohérent, bien propre techniquement sur vos 30 secondes, c'est bien, vous soufflez une quinzaine de secondes, ou 30 secondes autant, et puis vous recommencez. Hein, voilà. Si vous êtes satisfait, ben, n'hésitez pas à augmenter la durée de l'exercice. Et faites preuve aussi d'imagination. Restez pas uniquement sur ce qu'on, hein, a travaillé ensemble. Voilà, après c'est en fonction de vous, vos qualités physiques et votre aisance. Voilà, donc moi ce que je vous conseille maintenant, c'est de faire justement, vous terminez cet entraînement, par deux ou trois périodes de 30 secondes où vous faites ce combat imaginaire en utilisant les techniques que l'on vient de faire mais aussi vos propres techniques si vous êtes à l'aise avec. Voilà, bon courage. Et n'oubliez pas non plus, hein, sur la fin de ce cours, bah, de vous étirer, hein, avant de terminer. Voilà, écoutez, je vous propose de faire le salut et je vais vous laisser continuer à vous entraîner. Et oi. Les amis, allez. Et merci de votre attention.